Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce 135e épisode de Let's Play sur Immortals Phoenix Rising. Allez, on continue. Il y a des choses à récupérer. Il y a de l'ennemi. Voilà. Plein de ressources qu'on a gagnées. Non, on peut pas. Oula. Maintenir le A pour faire un saut plus haut. Ok. Désolée d'avoir raté ce miracle tout à l'heure, championne. Je suis encore en apprentissage. Moi aussi. Ne t'en fais pas. Ensemble, on va s'en sortir. Ou alors, je vais mourir d'une façon horrible pendant que tu regardes. Alors, il y a un défi. D'accord. D'accord, on va... Voilà. Et je suis tombé. Bah, je pouvais. Ça continue le tic-tac, donc tout va bien. Ah, saleté! Ok, j'ai compris. C'est parti. On va commencer par le plus chiant. Voilà. Ensuite, on revient ici. Voilà. Casque d'ermite toxique. Très bien. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. Ok, c'est de l'autre côté. Wow, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est l'une des inventions de Dédale. De quoi t'expédier presque jusqu'à l'Olympe. Ouais, fin. Celle-ci est en piteux état. Ok.
éviter. Par là. Très bien, essence de terre. Et hop. J'ai du mal à croire qu'Estia ait créé ce lieu. Il n'a rien d'accueillant. Oui, c'est plutôt plein de lave et bouillonnant qu'accueillant tout court. Alors, c'est un passage vers le Tartare, comme ceux que j'ai dû emprunter lorsque j'ai affronté Typhon. Très dangereux. Ça ne devrait pas être là. Il faut absolument que j'arrange ça. Sois prudente, Ash. Merde. Alors attendez, il y a du violet là. Et ben on va se faire. Ok, très bien. Abnégation de Merop, d'accord. Phoenix, je suis dans le Tartare. Phoenix. Eh oh. Oh, tellement bizarre. D'accord. Ok. Comment je fais pour grimper moi? Comme ça. Pas le faire quand je suis en l'air, d'accord. Mais je peux le faire quand je suis au sol, donc très bien. Ouf, c'était du juste. Ici un interrupteur. Voilà. Donc là il va pousser. Ok, il pousse les deux.
Ah, j'ai raté. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça c'est bien. Merde. Allez. Voilà. Donc. Voilà. Comme ça j'arrive ici. Là. Je peux faire ça. Voilà. Ces fresques, je ne reconnais pas cette histoire. Et tout à l'heure. Ah. Détruit une tablette corrompue, d'accord. Quoi, c'est ça que je vais faire? Ah, bon. Allez. Bon, c'est vrai que il faut qu'il charge. Voilà. Bien joué. Je suis Hadès, seigneur des enfers. Merci beaucoup d'avoir brisé cette tablette corrompue. Je n'aurais jamais pu entrer dans cette crypte. Oh, mais tu es une mortelle, n'est-ce pas? Dieu Hadès, monsieur, Phénix et Athéna veulent que je vous parle de l'Olympe. Zeus a besoin de vous. Même si... Zeus a besoin de beaucoup de choses, oui. Écoute ça plutôt. La tablette corrompue que tu as brisée, je crois que ces choses sont liées au déséquilibre du monde. J'ai essayé de m'en occuper moi-même, mais elle semble inaccessible aux immortels. Eh bien, je pourrais peut-être aider avec ces tablettes. Et tu aiderais Zeus à rétablir l'équilibre. Je vais y réfléchir. Zeus n'est pas ma divinité préférée ces temps-ci. Mais oui, si tu parviens à briser ces tablettes, ce sera la première étape vers le retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Bonne chance, Héros. Double saut. D'accord. L'autre frère. Ash, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore perdu le contact avec toi. Et ensuite, Hadès est apparu. Oui, je suis revenue du Tartare. Et le dieu des morts m'a recruté pour que je l'aide. Autant dire que c'était plutôt intense. Oui, je vois ça. C'est une drôle de journée, on dirait. Ok, très bien. J'ai un autre cadeau pour toi, championne. C'est un cheval, bien sûr. Allez, au trot. Ah, poussière. En avant, je veux voir un peu. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, j'ai pas encore le... Ah, mais il y a... Il y a un point de sauvegarde dans le coin.
D'accord, il est loin. On va prendre le cheval. Alors, c'est une bonne situation, ça, DS ? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes... Non, Isouz ! Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des rencontres ? Ah non, mais allez ! Oh, Isouz ! S'il vous plaît, veillez sur moi. Et si vous avez pas la ref, franchement... Ok, Alors... Pour l'instant, je peux pas mettre d'autres runes, enfin d'autres éléments. Faire un repos, une sauvegarde, on va attendre avant de faire tout ça. Hein. Hop. Ok, donc c'était bien par là. Hein. Très bien, je peux sprinter avec le cheval. Le cheval, c'est génial. Bien. Allez, un petit défi. Il y a un interrupteur à débloquer, il y a un coffre. Ah, d'accord. Bah c'est parti. Merde. Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, c'est parti. Ah, saleté, je l'ai... J'ai mal visé. Yes. Ouf. Allez. Bon, tu peux lâcher si tu... Si tu sais pas grimper. Allez! Ah, grimpe. Et quoi? Bon, j'ai pas compris. Voyons. Bon, c'est parti.
Allez. Je vois pas où. Ah. D'accord. C'était ça. Bon, on recommence. Non, je suis pas sur le bon. Ouais, et je vise mal parce que j'étais en... Yes. Voilà. Alors, on va reprendre le cheval. Voilà. On va activer le... Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Hôtel débloqué. Alors, c'est pas où je dois aller. Le problème, c'est que vu... Ah. Un autre grand saut. Mais cette fois, vous avez intérêt à réussir, Phénix et toi. Pas de miracle sans offrande. Trouve un moyen d'améliorer ta charge et retrouve-moi de l'autre côté. Très bien. Là, je vais devoir utiliser le double saut plus la charge d'Athéna. Mais le fait que ce soit comme ça en vue de haut, je peux pas voir au loin, hein. Flammeur ou Estia monstre village. C'est étrange. J'ai l'impression de ressentir ce dont cet esprit a besoin. La flamme qui diminue. Le froid. Durant sa vie, c'était un adorateur d'Estia, loin d'ici. Quand les feux qui le protégeaient se sont éteints, des monstres ont attaqué son village. Il n'avait aucune chance. Il ne veut pas que ça arrive à d'autres villages. Bon. Voyons. Cadeau héroïque. Ah, efficacité de Déméter. Alors, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Parade courageuse, esquive rapide, double saut. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Trouver
les ennemis dans le village, menu carte. Allez, on va voir la carte. Allumer le feu. Ah d'accord, c'est pas là. Bon, on va avancer ou pas? Je sais pas. Phoenix, j'ai eu comme l'impression de sentir ce qui lie cet esprit au monde. Je crois qu'il a suivi Estia sur l'île, tout ça parce qu'il ne peut pas s'en aller. Les esprits sont supposés se rendre aux enfers. Mais comme Hadès fait partie des dieux absents lui aussi, il n'y a personne pour les guider. Alors, peut-être qu'on peut aider les esprits piégés ici à avancer ? À ton avis, qu'est-ce qu'il veut cette fois ? Je crois que le fantôme veut savoir que le village est ici notre invité. Il n'a pas pu défendre son village. Il veut que je protège celui-là. Aïe. Voilà. Bon, c'est un peu loin. Et on est déjà à 27 minutes. Je vais aller sauvegarder et on s'arrêtera là. Ok, alors on va sauvegarder. Voilà. Et on va s'arrêter là alors pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien, bye.